Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur l'Origione. Aujourd'hui, nous allons nous inspirer d'une spécialité cantonaise, le wonton mi. Comme son nom l'indique, c'est une spécialité à base de ravioli wonton et du mi, c'est-à-dire des nouilles. Il existe deux versions, la version avec le bouillon et la version sèche, c'est-à-dire sans le bouillon. Et c'est sur celle-ci que nous allons nous attarder. Donc pour cela, il va nous falloir, pour les raviolis wonton, des crevettes crues, du porc haché, ainsi que des feuilles de ravioli wonton, des nouilles. En ce qui concerne ces dernières, vous ne les trouverez qu'en épicerie asiatique. La particularité de ces nouilles, c'est qu'elles sont faites à base de kansui, c'est-à-dire du sel alcalin, comme pour les nouilles ramen. Du porc char siu. Je vous mets le lien de la recette en haut dans l'affiche, de l'échalote, de l'ail, du gingembre, de la cébette, du choy sum. À défaut, vous pourrez utiliser du pak choy ou alors du brocoli chinois. De la sauce soja claire, de la sauce soja noire, de l'huile de sésame, du sucre et du poivre blanc. Pour les quantités comme d'habitude, vous les trouverez sous la vidéo en description. Donc, si vous voulez bien, on y va pour la petite préparation. Commençons par la branche de cébette qu'il faut couper en rondelles. Réserver. Émincer une petite échalote. Hacher une gousse d'ail. Pour les choy sum, bien les rincer, retirer les bases et on va les garder entiers. Émincer le porc char siu. Décortiquer les crevettes. Les vider. Les écraser avec le plat du couteau. Puis les couper en morceaux d'un demi centimètre environ de long. Les transférer dans un saladier. Ajouter la viande hachée. Deux tiers des rondelles de cébette. Un morceau d'un centimètre et demi de gingembre râpé. Assaisonné de sauce soja claire. D'huile de sésame. De poivre, puis bien mélanger jusqu'à ce que l'ensemble soit bien pâteux et collant. Pour la confection des wonton, placez une cuillère à café de farce bien bombée au centre de la feuille à ravioli, repliée en deux par la diagonale, pressez autour de la farce pour qu'il n'y ait plus d'air. Faire ensuite deux petits plis autour de cette dernière, puis pincer pour souder. Vous pourrez, si vous voulez, retirer l'excès de pâte et on réserve au frais. Faire dorer ensuite l'échalote émincée à feu moyen avec 3 cuillères à soupe d'huile. La retirer sans huile, puis faire la même chose dans la même huile avec l'ail haché. Et là aussi, retirer l'ail sans l'huile que nous allons verser dans un bol. Y ajouter la sauce soja claire, la sauce soja noire, le sucre, l'huile de sésame, le poivre, mélanger et réserver. Blanchir les choy sum 2 minutes dans l'eau bouillante légèrement salée, les retirer, puis les détailler en 3 tronçons. Démêler les nouilles. Mettre le ravioli à cuire 8 minutes dans l'eau bouillante et si vous utilisez une grande casserole, nous allons l'utiliser pour cuire aussi 3 minutes les nouilles. Dans le cas contraire, des casseroles séparées, 8 minutes pour les raviolis et 3 minutes pour les nouilles. Une fois les nouilles cuites, les retirer dans une passoire, rincer rapidement à l'eau froide, puis les replonger dans l'eau bouillante une dizaine de secondes. Les transférer dans un saladier, ajouter la sauce, l'ail grillé, l'échalote grillée,
bien mélangés. Dressez ensuite dans des bols. Déposez le choy sum, les wontons, les tranches de char siu parsemées de rondelles de cébette et on pourra se régaler. Comme d'habitude, je ne me suis pas trompé sur la recette puisqu'elle est délicieuse. Juste pour en revenir sur le porc char siu, vous pourrez en trouver dans certaines épiceries asiatiques ou alors dans certains restaurants, surtout ceux qui suspendent le canard laqué et le porc char siu en vitrine. Vous pourrez aussi trouver des raviolis wonton au rayon surgelé dans des épiceries asiatiques. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit.